on a vraiment pu réunir des œuvres majeures, des tableaux majeurs de l'artiste. Et les tableaux qui sont présentés aujourd'hui à Québec n'ont jamais été montrés au Canada. Alors cette idée de qualifier l'exposition, de ne pas simplement l'intituler Berthe Morisot, c'est parce que nous sommes conscientes en fait, du fait que peu de personnes connaissent le nom de Berthe Morisot. Donc le terme d'impressionniste, évidemment, c'est pour l'ancrer dans un mouvement dont elle a été l'une des participantes majeures. Elle a vraiment été à la naissance des impressionnistes et de l'impressionnisme. Et c'est celle qui a participé le plus aux expositions impressionnistes. Elle en a financé certaines. Donc elle a eu un rôle très actif du point de vue de l'histoire de l'impressionnisme, mais aussi par son style, par la liberté de son style, par les recherches qu'elle a faites, par les sujets qu'elle a abordés. C'est vraiment une des contributrices essentielles du mouvement. Le mouvement serait différent si Berthe Morisot n'avait pas été là. Et puis, l'utilisation du terme de femme, c'est pour montrer aussi que c'était une femme artiste, et ça a été important dans sa pratique artistique, parce que tout artiste travaille dans un monde donné, dans un univers social et historique donné, et à la fin du 19e, vouloir être artiste quand on est une femme, ça ne va pas de soi. Donc on voulait mettre en avant ces deux dimensions qui nous semblent importantes pour le public d'aujourd'hui, pour comprendre l'œuvre de Berthe Morisot.